Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, parler de la fin de vie, c'est d'abord parler de la vie, car c'est aimer la vie, passionnément. Parler de la fin de vie, c'est aussi regarder la mort, lucidement. Parler de la fin de vie, c'est en parler avec humilité, avec gravité, avec respect de toutes les convictions. Parler de la fin de vie, ce n'est pas avoir la vérité. C'est avoir la volonté de faire mieux pour les malades et pour leurs proches. Parler de la fin de vie, c'est convoquer les valeurs de la République. C'est vouloir la liberté, celle de disposer de sa mort, à l'image de celle de disposer de son corps que nous venons de sanctuariser. C'est vouloir l'égalité, celle qui permet de ne pas s'en remettre à la clandestinité ou à l'exil forcé. C'est vouloir la fraternité, celle d'une fin de vie qui serait solidaire et pas solitaire. Au fil des ans et des lois, deux droits essentiels ont été obtenus. Le droit de ne pas souffrir, car la souffrance n'est pas inévitable et encore moins nécessaire. Et le droit de ne pas subir, le droit de dire non à l'acharnement. Notre devoir est de faire de ces droits une réalité. Cela exige le renforcement et le développement massif des soins palliatifs. Mais comme toute médecine humaine, ils sont parfois impuissants face à certaines souffrances. C'est pour cela que je souhaite un ultime recours, celui d'une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie, mais qui ne veulent pas être condamnés à l'agonie. Dans une interview récente, le président de la République est intervenu sur le sujet avec humanité et responsabilité. Alors, Monsieur le Premier ministre, il nous appartient désormais d'ouvrir le champ des possibles pour prendre la clé des champs, comme l'écrivait Montaigne. Cette clé des champs qui permet de partir comme on a vécu, librement et sereinement. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, il n'y a pas de sujet plus intime, plus sensible, plus personnel et plus délicat que celui de la fin de vie. Il fait écho à nos convictions, il fait écho à nos propres histoires, il impose, je crois, une certaine retenue et surtout la réflexion. Il impose la concertation, le temps de l'échange, le temps du débat. C'est cette méthode, cette volonté d'avancer pas à pas, sans brusquer, en cherchant sans cesse le consensus qu'a retenu le président de la République pour répondre à la demande des malades et des familles de faire évoluer notre droit. Cette méthode qu'a choisi le président de la République pour tenir son engagement pris lors de la campagne présidentielle de 2022. Monsieur le député Falorni, je sais et nous savons combien ce sujet de la fin de vie vous tient à cœur. Je connais votre attachement à avancer dans le respect des convictions de chacun. Je sais que c'est un engagement qui vous porte depuis plusieurs années et je tiens ici à le saluer. Vous avez très largement contribué à faire progresser cette réflexion. Ce dimanche, après les travaux du Comité consultatif national d'éthique de la Convention citoyenne, après des consultations larges auprès des soignants, des malades, des familles, des acteurs de la société civile, laïque et religieux, le président de la République a fixé les principes pour un nouveau chemin dans notre modèle français de la fin de vie. Je veux saluer tous les acteurs qui se sont engagés, toutes les contributions reçues. Je veux remercier très sincèrement Agnès Firmin-Lebaudeau qui a animé ces débats, ces réflexions des mois durant. Je veux saluer Catherine Vautrin et Frédéric Valtoux qui défendront le projet de loi sur la fin de vie devant vous. Monsieur le député Falorni, nous avons écouté et nous avons entendu. Entendu ces familles, entendu ces malades, entendu ces citoyens qui attendent de nous que nous fassions évoluer notre droit. Nous avons entendu les soignants aussi nous faire part de leur engagement, de leur détermination à aider jusqu'à la dernière seconde leurs patients. Au fond, toutes et tous, au-delà de nos convictions et de nos croyances, nous nous retrouvons, je crois, autour d'une volonté, la dignité. La dignité face à la souffrance, la dignité dans le soin, la dignité devant la mort.
Alors c'est autour de ce principe, de ce cap, que nous ferons évoluer notre modèle sur la fin de vie. La dignité, c'est d'abord mieux accompagner ceux qui souffrent. Alors oui, nous vous proposerons une augmentation sans précédent des moyens consacrés aux soins d'accompagnement, avec une stratégie sur 10 ans et des investissements supplémentaires permettant de garantir partout sur le territoire l'accès à des soins palliatifs. Mais il arrive parfois, malgré l'abnégation, la détermination des soignants, que la maladie prenne complètement le pas. Il arrive parfois que le diagnostic soit inévitable et que la douleur soit telle que la vie n'est plus vraiment la vie. C'est pourquoi, comme le président de la République l'a annoncé, nous vous proposerons de créer en France la possibilité d'une aide à mourir. Cette aide à mourir sera encadrée par des conditions strictes, à des critères précis, à une décision collégiale de l'équipe médicale. Les patients devront être majeurs, c'est une recommandation de la Convention citoyenne. Les patients devront être capables d'un discernement plein et entier. Les patients, enfin, devront être atteints d'une maladie incurable qui impose des souffrances que rien ne peut apaiser et dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Ces critères sont, je le crois, la garantie de l'éthique de notre modèle. La décision de mourir est évidemment la plus lourde qui soit. Elle ne peut être prise qu'avec la plus grande précaution. Et nous ne pouvons nous permettre de l'encadrer qu'avec la plus grande prudence. Alors je le dis, j'ai toute confiance dans le travail parlementaire et dans l'esprit de responsabilité de chacun. Un texte sera présenté en Conseil des ministres en avril et pourra être débattu dans cet hémicycle à compter du 27 mai prochain. Il prendra le temps qu'il faudra. Il se fera, je le sais, dans le respect de l'intime conviction de chacun. Et je suis sûr, dans une volonté de bâtir des consensus, la question de la fin de vie est grave. Elle doit nous rassembler. Les malades, les familles, les soignants nous regardent, nous attendent. Faisons de cette loi une grande loi de dignité. Je vous remercie.